Salut à tous, c'est Zidoc. Dans cette vidéo, j'ai trouvé un classement du pire GTA au meilleur GTA selon la communauté. Et j'aimerais débattre de ça avec vous en sachant que, bon, moi j'ai pas commencé au premier GTA, j'ai jamais joué au premier GTA. J'ai commencé sur GTA Vice City, je crois, sur PSP. Mais en tout cas, j'aimerais un petit peu votre avis concernant ce, justement, classement. Et vous, n'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo à donner votre classement. Donc voilà, alors, à la 7ème place, ils ont classifié GTA 2. Personnellement, je ne peux pas vous donner mon avis parce que j'ai pas du tout joué à ce jeu. Mais bon, en tout cas, il est sorti en 1999. Forcément, on ne peut pas comparer avec les jeux actuels, mais par rapport aux plus anciens des joueurs, ça peut être intéressant. À la 6ème place, il y a GTA. Donc, Grand Theft Auto, premier du nom. Voilà. Pareil, je peux pas vraiment dire s'il a été bien ou pas, j'ai vu des vidéos. Donc voilà. Cinquième place, on a GTA 3. Voilà, donc GTA 3. Ok. Quatrième place, GTA 4. GTA 4, j'y ai joué. Franchement, c'est un jeu qui était incroyable. Vraiment, avec Nico Bellic, le mode online et tout, c'était beaucoup trop bien. Personnellement, je l'aurais classé plus à la deuxième place, personnellement. Là, ils l'ont placé à la quatrième place, mais franchement, il était magnifique ce jeu. Vraiment, je passais énormément d'heures dessus. Il était tout simplement magique. Un des premiers GTA auxquels j'ai pu jouer. Et franchement, c'est là où je suis tombé amoureux de cette série. Ensuite, troisième place, GTA Vice City. Donc là, pareil, tout premier GTA que j'ai joué. Justement, c'était sur PSP, pour ceux qui se rappellent. Je vous mets une image de ce que c'est la PSP, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais voilà, vraiment, c'était incroyable aussi. Bon, les graphismes, c'était beaucoup moins bien que GTA 4, forcément. Mais on est sur un jeu qui était juste oufissime et qui était tout simplement magnifique, avec notamment Tommy Vercetti, qui était vraiment incroyable. C'était un jeu incroyable, vraiment, je m'en rappelle. J'ai des souvenirs de ça. Et franchement, je pense que beaucoup d'entre nous ont aimé et ont peut-être commencé sur Vice City. En gros, mon classement pour moi, c'est GTA 5 en premier. Ensuite, c'est GTA San Andreas en deuxième. Ensuite, c'est GTA 4 en troisième. Et ensuite, c'est Vice City. Pour les jeux auxquels j'ai joué. Hein. Les autres, je ne sais pas. Je ne peux pas, le dire, tout simplement. En tout cas, eux, ils ont placé GTA 5 à la deuxième place de leur classement. Ok. Et ils ont mis GTA San Andreas à la première place. Voilà. Donc, dites-moi, vous, dans les commentaires, quel est votre classement par rapport au jeu que vous avez joué. Forcément, vous pouvez pas juger sur les jeux que vous n'avez pas joué. Mais moi, comme dit, premier GTA 5, deuxième GTA San Andreas, troisième GTA 4, quatrième GTA Vice City. Voilà un petit peu pour l'ordre. J'attends vos réponses dans les commentaires de la vidéo. Ça peut toujours être intéressant. Ça sert à rien de critiquer. Oui, mais toi, tu as commencé sur tel et tel jeu. Chacun a commencé à un certain moment. On n'a pas les mêmes âges. Enfin bref. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. Moi, j'espère en tout cas que cette dernière vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésiteront pas à donner un like, à partager et à abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je te remercie d'avoir regardé et je te dis à la prochaine. Ciao tout le monde.